Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On continue notre découverte du MMO Kingdom Under Fire 2. C'est notre, cinquième session live, sixième vidéo sur YouTube si je ne dis pas de bêtises. La dernière fois, on était sur une session leveling classique type MMO. J'ai arrêté pile avant une nouvelle mission RTS parce que c'est tellement plus intéressant. Donc on va pouvoir commencer avec un truc cool. Et j'avais passé mon level 15, donc je peux ouvrir ça. J'ai oublié de l'ouvrir la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Objet à obtenir, coffre d'artisanat, blablabla, et il y aura... Alors attends, on va faire ça, pouf, donc il y aura une récompense level 20. Ça donne 300 cubiques. Ça donne des objets à choisir pour le craft. Donc on est d'accord, coffre d'artisanat 1, poudre d'étoile. Ah non, ça file tout, donc je peux cliquer dessus. Ok, nickel. On a des potions... Attaque de bataillon. Tout ça, ça nous sert plus à rien. Il faudra que je les vire. Ça, héros, PC, plus, blabla. Ok, ok. Non, on va faire ça, ça, ça. Ça file 2000 d'XP de garnison. Toujours bien, même si ça commence à coûter très très cher maintenant, l'XP de garnison. On a eu des nouvelles pierres de vision. Normalement, on est pas mal. Niveau thune, on est très pauvre parce qu'on a beaucoup dépensé. Donc, on a pris des jolis ups sur nos unités, par contre. Et puis on est bon, on va pouvoir y aller. Let's go. Hep. Alors, qu'est-ce qu'on... C'est laquelle, celle-là? Terminé niveau 15, futé embrumé. Et on est niveau 15, donc c'est pile de notre niveau. Mais on a des très bonnes unités, là, je pense. Je pense que nos unités, elles vont bien déboîter l'univers. On met en difficile, bien évidemment. Ça donne plus de récompenses. Des loot de soldats. Ok. Engageons le combat. Donc on est level 15 avec deux unités level 15. 3 étoiles, 2 étoiles. Les deux sont épiques. Voilà. Et je vais augmenter le son de mon côté. Voilà, on est bon. C'est parti. Donc là, on est dans les fameuses batailles où on peut passer en RTS si on veut. Il y a d'autres unités avec nous, j'imagine qu'elles vont nous suivre. Pour l'instant, je vais dire à mes unités à moi de me suivre. Et on y va. Et un petit coffre. Nickel. Alors, où est-ce que tu veux qu'on aille? Par là? Pas du tout. Pas du tout les... Ah, d'accord, ok. Sire Brian, nous sommes de retour dans notre mission de reconnaissance. L'intérieur de la forêt devant nous est occupé par le soleil noir. Ils ont établi un campement des deux côtés de la forêt. Des deux côtés? Quelle plaie! Oh, j'ai une idée. On s'occupe seulement du menu fretin, et si on faisait un pari? Je vais prendre la base ouest, et vous, celle à l'est. Ceux qui... D'accord. Eh bien, allons-y, en avant! Ok, on fait ça. Occuper la base plus vite que Brian. Donc là, vous voulez qu'on aille tout là-bas. Oula! 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 Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli mourir! J'ai pas compris! Habitué à presque mourir dans le jeu. C'est quoi ces haches cheloues là qui nous foncent dessus? Oh, y a un gros... Les unités vont bien par contre. Ok, donc ça c'est fait. Enfin, c'est pas ce truc, quoi.
On est à mi-chemin et vous? On est à mi, oui. Vraiment, faut pas que je les ramasse les coffres, je les ai à la fin. Ok. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis en train de baisser ma note. Ok. Bon, c'était très vilain, ça, ce qui vient de se passer. On va perdre si ça continue. Essayons mieux que ça. Oh oui. Elle est où, l'entrée? Là-bas. Guard me! Il y a des ennemis partout. Rien attaque la base ennemie. Attends, coup de grâce. Oui. Moi aussi, je veux attaquer la base ennemie. Mais il faut que je finisse cela, je pense. Venez avec moi. Vite. Vite. Oulala. Oulala. Aller de là-dedans. Et un sorcier orc. Oh genre, t'es un gros tricheur. Non, restez, restez, on s'amusait bien. Oh là là, il l'a fait avant moi. Un petit C. Oh, ah, ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Number one. Un plastron. Oh, 12 coffres non obtenus. Eh ben, c'était pas mal. Déjà, c'était mieux que tout ce qu'on a fait hier. Mission achevée. C'était sympa. Alors, j'ai pris masse dégâts des moments, j'ai pas compris. Surtout qu'en plus, je suis censé être la classe tanky du jeu. Donc, les classes pas tanky, vu que je suis passé de 8000 HP à 2000 HP en 2 secondes, elles faisaient quoi? Ça faisait des boîtes? Merci beaucoup Mitrandil pour les 35 mois, merci, merci. Tu comptes faire Death Stranding? Bah je l'ai acheté, ça aurait été bien que je le fasse quoi. Mais bon, manque de temps, manque de plein de choses. Did you come to help us? On n'aurait pas pu dompter les ennemis de la forêt sans votre aide. Good luck. Merci, ça nous permettra de respirer un peu. May a blessing be with you. Allez, level up, bim, ça commence bien, ça commence bien. Que tu dis... Oh, on va déjà... où est-ce que j'ai mis des points? J'ai mis des points là-dedans. Hop, sauvegarder capacité. Oui.
Ok. Notre devoir ici est maintenant terminé. La partie nord du lac Bled est désormais sûre, mais il est trop tôt pour se réjouir. On a peut-être quelque chose de plus à faire ici. Nerel, vous cherchez à aller lui parler. Non, c'était fini! C'était fini! I'm ready to fight anytime. Merci beaucoup. D'accord. Les gens disent que les orques étaient autrefois des êtres de lumière comme nous. D'accord. May the light be with you. C'était fini? Attends. Non, là-bas. Le berserker est un camion. Elles ont de la range ou de la vitesse, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. On a réglé nos problèmes, mais c'est loin d'être terminé. D'accord. C'est à vous de choisir votre prochaine mission. On aura besoin de nous partout. I'd rather kill someone than wait. Donc, en effet, ouais, on a fait toute la partie nord. On va pouvoir aller à la partie sud. C'est réglé. Est-ce que j'ai des choses fabuleuses ici? Donc ça, ça va là. Et tout ça, c'est... Oh, c'est un nouveau set encore. Oh, j'étais pas prêt. Ah non, c'est ce set-là. Attends. Bah si, c'est bon, c'est le même set. Mais j'ai des meilleures stats. Quoi? Pourquoi? Non, c'est pas... Attends, c'est le même set ou c'est pas le même set? Non, c'est un autre set. Non, c'est un autre set. C'est complètement un autre set, vu que j'ai pas de pièces du truc. Ouais, c'est un autre set. Ok. On va être sur de côté pour le moment. Hein. On verra si on chope des nouvelles pièces. Ah oui, là, c'est le soldat de corps à corps équilibré. Ok. Je trouve que le jeu a fait un bon départ. Bah cool. Hello, j'ai bossé sur la tradfr de ce jeu avec des trades d'autres traducteurs et je peux te dire que l'anglais était de très mauvaise qualité, traduit parfois littéralement du coréen, d'où le français parfois bancal malgré nos meilleurs efforts. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Franchement, ça fait pas Google Trad, hein, donc la version française. Hein. Donc même si on se moque parfois, ça va. Attends, c'est pas du tout par là, c'est par là. C'est par là? Non, c'est pas du tout. Attends, où je suis? Où je vais? Non, c'est pas du tout par là. Ce n'est pas... Non! Mon dada! Hop. Galopons. Au pire, il y a DeepL traducteur qui fait bien meilleur taf que Google Trad. Oh là là, ce taquin. Et donc, la suite, c'est là-bas. Donc là, on revient où on était déjà. Et on va devoir partir au sud. On dirait le sud. L'été dure longtemps, un truc comme ça? Non, je sais pas. La Méditerranée est toujours en été. Je veux descendre du dada. Ok, 3 sur 5. C'est compliqué de les paquer. Ok, donc c'est fait. Ensuite, on a quoi? Faut juste qu'on aille là-bas. Donc là, on voit qu'il y a une mission RTS sur le côté. Donc on a hâte. Welcome. L'épée de Brian le mercenaire. On dirait bien que ce poivreau s'est racheté une conduite. I'll stay on duty for now. Les cris d'effroi de nos ennemis ont résonné jusqu'ici. À présent, ils ne risquent pas de nous attaquer de sitôt. Win at all costs. Donc reste juste la quête principale. T'es où? C'est toi? Need my support? Au fait, j'ai entendu dire que la zone de Bois Gris est devenue la cible de Viola. J'ai peur que Viola rencontre Klaus avant moi. Pourriez-vous lui demander si elle sait où il se trouve? If only I were 10 years younger. Ok, et où qu'elle est? Elle est là. Don't stand behind me. Si je sais où se trouve Klaus,
Non, mais je compte capturer quelques membres de la confrérie des griffes et les interroger. Même si je m'attends pas à ce qu'ils sachent quelque chose d'inutile. D'utile. Dites à Brian que je lui dirai que dès que j'en sais plus. My sword wants blood. Ok. Let's move on to our next mission. Vous avez vu les membres de la confrérie des griffes là-bas? Ils rôtent à l'entrée du campement du voile noir, c'est louche. Time to move. Ok, on a une quête secondaire aussi. J'ai entendu parler de Brian, c'est un bon guerrier. J'ai entendu dire que les mercenaires avaient accepté d'aider les gardes. J'aimerais lui proposer d'entraîner de nouvelles recrues. Pourriez-vous aller lui demander? Ils veulent que j'entraîne leurs nouvelles recrues? C'est une offre intéressante. Très bien, j'accepte. Mais que suis-je censé leur apprendre? Ah, le bon vieux temps me manque. Ok. Vous savez, vous battre, j'ai quelque chose de personnel à vous demander. Pourriez-vous trouver discrètement Klaus? Je peux pas essayer de le convaincre tant que j'ignore où il est. Comme vous le voyez, mon corps n'est plus aussi vif qu'avant. J'aimerais que vous tuiez quelques membres de la confrérie des griffes et que vous les fouilliez pour trouver un indice. Come back anytime. Le mannequin d'entraînement nous aidera à entraîner les recrues. Il y a quelques planches de bois abandonnées dans le coin. On va chercher les planches de bois abandonnées. Est-ce que j'ai tout pris? Je pense, oui. Oui. Allez, venez les Billy. Ah, descendez. Ok. Coffre d'objets. Ça c'est fait. Les planches de bois. Le temps dure longtemps. Ah, c'est pas l'été qui dure longtemps, c'est le temps. C'est bon. Alors, qui nous manque? Il nous manque Kué. Il nous manque du bois, mais le bois il repop là, donc. Si on veut pas s'embêter. Et toujours endetté. Toum. Toudoudoum doum. Salut Tasfre, niveau combien? Je viens de passer mon level 16. Ok. Donc il nous manque. Je vais faire l'autre quête avant. Il nous manque de tuer des machins comme ça. C'est bon, j'ai tout. Il est où le camp? Il est là. Don't worry. Ok, je vois que Klaus est toujours prudent. Je ne trouve rien d'utile dans ses affaires, ok. Des mannequins d'entraînement, bonne idée. Mieux vaut éviter de se blesser. J'aime bien aussi l'idée de vêtir ses uniformes de la confrérie des griffes. Je me dépêche de faire ça. I'll be counting on you, Captain. Le bois est un peu abîmé, mais je l'ai renforcé. Ça devrait tenir. Parlez à Brian. Vous avez trouvé quelque chose? Un passe pour la base du soleil noir? Oh, ils sont donc bien liés au soleil noir. Okay. Désormais, nous sommes sûrs qu'Hélène est au campement du voile noir. Je ne veux pas perdre plus de temps. Nous devons frapper maintenant. Je vais mobiliser les mercenaires. On se retrouve à l'entrée du campement. You don't have time to waste. Oh. Nouveau set. On va parler à Brian. Ça fera l'affaire, je suis sûr que Nicolas ait travaillé dur pour réaliser ça. Ah, ce mannequin me rappelle quand j'enseignais le maniement de l'épée au jeune Klaus. Bon, j'espère, Krico, je sais pas. Je sais pas si je suis prêt à enseigner aux autres après avoir vu ce qu'est devenu mon meilleur élève, mais je pense que leur donner les moyens de se battre est la meilleure chose à faire. Au fait, j'aimerais que vous entraîniez avec Nolan, un de mes élèves. Il apprend vite. Il vous attend juste à côté, si vous combattiez contre lui. Let's have a drink next time. Tu, Nolan. Tu es là. Glory to Persia.
Ça fait seulement quelques jours que j'ai rejoint la garde, mais je m'entraînais déjà bien avant ça. N'empêche, c'est assez intéressant parce que, je vois pas ce que vous dites sur le chat, entre Conqueror's Blade et là maintenant Kingdom Under Fire 2, on a des jeux, et Arcage aussi, avec la sortie en buy to play. Donc là on est aussi sur un modèle buy to play et on commence à voir des jeux qui sortent ou ressortent avec des modèles économiques qu'on s'éloigne du cash shop. C'est quand même cool. Et c'est quand même bien. Donc peut-être que maintenant ils commencent à se dire ok, c'est pas la meilleure solution pour nos jeux vidéo. L'instructeur Brian m'a dit grand bien de vous. J'ai hâte que vous m'appreniez quelque chose, capitaine. Allons-y. Laissez-moi vous montrer le résultat de mon entraînement. C'est marrant qu'il me déboîte. Tu m'as raté. T'es fini? Me tricheur là! T'es un gros tricheur, tu t'es heal là, t'es ta reset! Impressionnant, quelle puissance! Merci pour l'entraînement! C'était un beau combat. Je suis impressionné par votre habileté à l'épée. Chaque fois que je vous vois, je suis sûr que c'est instructif pour Nolan. Donc là, il n'y a pas de nouvelle quête. Et je pense que... il me reste juste... Ah, c'est cool, on va directement... Ah, attends! Nouvelle unité. Là, on a 500 XP. Donc là, si je vais là, on va healer nos unités actuelles. Et donc, on a chopé des épéistes à deux mains. Ces unités différentes. Ah non, j'en ai deux. Tu m'as filé les mêmes. Tu m'as donné les mêmes. Ok. Tac. Après, je serais peut-être content d'avoir des unités en double après. Allez. Nouvelle mission RTS. Oui. Enfin, moi j'appelle ça mission RTS, mais là on fait pas vraiment du RTS, mais il y a un petit côté. On met ça en difficile, hein, bien évidemment. Engager le combat. Campement du voile noir. Bah non, Radak, tu vas loin quand même. Après qu'il n'y ait pas de mise à jour comme ça, mais fermé, non. Ok. Heureusement, certains soldats sont partis en mission d'éclaireur. Débarrassez-nous d'autres. Mais bon, on va avancer. Tout le monde me suit. Là, j'ai donné l'ordre aux autres de rusher. De rusher les distances. C'est lanceur de hache. Je les kiffe, mes lanceurs de hache. Mes lanceurs de hache. Let's go. Oula, c'est passé. Mais c'est les boucliers. Mais vous êtes hyper relou. Mais laissez-moi taper là. Je rebondis sur leurs boucliers.
Il y en a un, il a crié dans le haut-parleur. Vite, il faut les arrêter. Eux, j'ai du mal à comprendre comment ils fonctionnent. Mais c'est hyper relou. Bon, attendez, vas-y, on va faire ça. Je peux avancer sinon ? Comment ça se passe ? Ah, il est tout seul, hein. J'ai galéré. Ah, ils sont tous morts. Ah, il y en a d'autres. Ah, mais c'est les lanceurs de hache. C'est tellement délire. Oula. Ah non, ça a pas l'air bien. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas compris comment passer dans les rangs, moi. Comme ça. Commandant Elfe Noir. Allez, bim, le commandant. Ça va, vous s'en sortez bien là-bas? Vous faites tout le boulot pendant que moi je fais juste une pauvre unité? Apparemment. Où tu vas? Reviens. Qu'est-ce... Oh là, il y en a de l'autre côté. Pourquoi je peux pas bouger? Ah, parce que mes doigts étaient pas sur les bonnes touches du clavier. On y va. Ah, oh, je peux pas passer. Ok, j'ai vraiment pas compris comment passer les unités avec le bouclier. Hein. Vous êtes bien agressif, hein, faites votre vie. Non, laisse-moi. Ah! Ah! Je vais aller faire les archers derrière. Qu'est-ce que tu fais?
Ça, vous en sortez derrière. Ça a l'air. Je vous amène celui-là aussi. C'est ouf, j'ai l'impression que le jeu il a pris un level de difficulté quoi. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas fait gaffe à ma vie. Je vois que c'est un truc. Ah, vous pouvez pas le faire. C'est bon. Eh bé. Eh bé. Oh, j'ai gagné un titre. Challenger de la colonie orientale. Ça sent le D, ça. Non, ça sent le C. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Mais non, j'ai déjà les bottes. Je veux changer. Hop. Oui, après, mes unités, elles déboîtent. Mes unités, elles déboîteraient pas autant avec moi. Ce serait pas rigolo. Hein. Je suis l'élément faible du groupe. Hein. Il faut le reconnaître. Qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau, du coup? Non, j'ai looté deux armes, mais c'est pas des armes pour moi. Non, j'ai looté que des bottes. Elles sont moins bien, en plus. Ah oui, en plus, c'est le set que j'ai déjà. J'aurais pu looter des... Tant pis. Tant pis. Je sais pas quoi vous dire. Vous avez gagné un titre défenseur de la nature. Cool. J'ai fait quoi? Parce que je détruis des déchets. Je ne sais pas. Je ne sais point. Hop. Ouais, parce que je recycle les items. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est complètement ça. Alors, voyons voir ce qu'on a chopé. Est-ce qu'on a des titres à bonus? Non, malheureusement, on n'en a pas. Tous ces titres à points de bonus. Je me suis lié avec la vitesse de déplacement, mais... Vu que je suis déjà une classe un peu lente. Alors... Pas fait ma 6P par contre, peut-être avec les 4. Your moves are so sloppy. C'est la lettre d'Hélène au capitaine d'attaque Illumina. Ça parle d'attaquer à Collade, mais la cible exacte n'est pas mentionnée. Time to move. Les vermines. Il faut étendre notre zone de recherche au sud. Je vais m'occuper de Bois Gris. Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose là-bas. Au sud, il y a la forêt des traqueurs et le poste de garde le plus proche. Et le quatrième poste de garde. Je vous retrouve là-bas, dès que j'ai terminé mes recherches. Je vais emmener Brian avec moi. Ne vous inquiétez pas pour lui. Let's move on to our next mission. Pas d'autres quêtes. On a ça à utiliser et ça qu'on mettra probablement après. Ça comme ça. Hop. Ouais, c'est un MMO slash MESO slash RTS. Mais après, il va y avoir des missions full RTS. Je crois que t'as même pas l'autre vue. Comment allez-vous? Je suis Perez, le capitaine du 4ème poste de garde. J'ai entendu parler de vous. Viola et Brian sont pas encore arrivés. À vous tomber à pic, ils sont pas encore arrivés, mais j'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais que vous demandiez d'enquêter sur des bruits étranges qu'on entend depuis peu. Il faisait nuit et on a entendu une armée marcher non loin d'ici. Il faisait trop sombre pour qu'on voit quoi que ce soit. Peut-être que les membres du groupe de soutien de la confrérie des griffes qui rôdent dans le coin en savent plus. Pourriez-vous enquêter sur cette mystérieuse armée? Have a good day. On va faire ça. Pas d'autres quêtes.
none of the nobility is here. Non. Et bon, let's go. Hein. Oula. C'est beau. Hop. On a tout. Au moins c'est rapide, c'est bien. Good day. Les membres de la confrérie des griffes transportaient ces graines. J'ai vécu ici toute ma vie, mais j'ai jamais vu des graines comme celle-ci auparavant. Capitaine Viola et Monsieur Brian sont arrivés pendant votre absence. Oui, leur demander s'ils reconnaissent les graines que vous avez trouvées. Les elfes sont des jardiniers chevronnés. Viola sait peut-être quelque chose à propos de ces graines. Glory to Berger. Don't stand behind me. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que c'est, ça sent bon. Quoi? Vous sentez rien? Comment vous pouvez pas sentir ce parfum? Peut-être que Brian en sait plus sur ses graines. C'est un mercenaire expérimenté après tout. Les mercenaires, c'est les spécialistes des graines. C'est quoi ces graines étranges? Yula n'a pas reconnu ces graines? Allez voir Perez et dites-lui que ces graines sont un ingrédient d'un stimulant utilisé par les elfes noirs avant de combattre. Comment je le sais? Bah, j'ai déjà essayé stimulant. Parlez-en, Perez. Goodbye. Yes, Captain. Les elfes noirs les utilisent comme médicaments? Si c'est vrai, ça veut dire que la confrérie des griffes collabore avec les elfes noirs. La présence de ces graines laisse penser qu'il pourrait y avoir des forces du soleil noir en plus de la confrérie des griffes dans la forêt des traqueurs. Apparemment, Viola essaye de découvrir si le soleil noir est impliqué dans cette affaire. Dites-lui qu'il pourrait se trouver dans la forêt des traqueurs. Allez, hein, je suis une balle de ping-pong de dialogue. Quoi, vous avez trouvé des traces du soleil noir? Où ça? Ces graines, mon dieu. J'aurais jamais imaginé ça. Vous dites que le soleil noir se cache dans la forêt des traqueurs? Time to move. Allons-y. Ils vont partir si on leur laisse l'occasion. Excusez-moi, mais vous allez dans la forêt des traqueurs, c'est ça? Je pense que Klaus est dans cette forêt. C'est le seul endroit où il peut être proche du village. Il ne s'éloignerait jamais du village. Je suis tardif à tous les glouglous. Salut Crane, salut Fritz Style. Comment se passe la suite de Cove 2? C'est mieux qu'hier. Ça m'étonne d'ailleurs que c'est pas demandé de te montrer un peu le HL dans l'OP Crane, c'est quand même là que le jeu prend toute sa saveur, je suppose. Bah ouais, mais moi je peux pas inventer le temps, donc à moins qu'il me file une popo d'XP ou je sais pas quoi. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un jeu qui prend vraiment son intérêt par la suite, quoi. Quoi, Brian? Mais l'emmener là-bas serait... Qui va faire attention à lui? Il a pas votre trempe? J'ai entendu les histoires, Klaus doit être comme un fils pour lui. Je lui en veux pas de vouloir venir. Que suis-je pour prendre des décisions concernant Brian? Faites ce que vous voulez. Je m'occupe pas de cette affaire. Je vais contourner la forêt et les attaquer par derrière. Vous les attaquez par devant. Amenez-le avec vous si vous voulez. Je m'en fiche. Elle vous a dit ça? Je vois, merci de me laisser venir. C'est peut-être ma dernière chance de convaincre Klaus. Et vous pouvez me rendre un service? Lorsqu'on aura trouvé Klaus, donnez-moi une chance de lui parler avant de l'attaquer. Si j'arrive pas à le convaincre, je l'empêcherai... J'empêcherai personne de le tuer. Même si vous le tuez, je vous en voudrais pas, hein, je vous le promets. Hein. Heroes move only at the critical moment. Oh là, plein de quêtes. Vous pouvez me rendre un service? Klaus est le seul parent encore vivant de Brian, c'est ça? J'ai entendu parler de lui. Il lui a offert un pendentif pendant qu'il n'était qu'un gamin. J'ai peur que Brian n'enterre pas Klaus comme il se doit. Quand nous retournerons au village, Klaus n'aura sûrement pas de tombe. Alors j'aimerais lui donner quelque chose pour que Brian puisse se souvenir de son neveu. Si vous éliminez Klaus, trouvez son pendentif et apportez-le-moi. Ça veut dire qu'on va le taper, ça. Ah, au fait, j'étudie les armées des elfes noirs du soleil noir. J'aimerais savoir d'où elles viennent, et j'ai trouvé un indice sur votre histoire de stimulant. Pourriez-vous me rapporter une arme appartenant aux elfes noirs du soleil noir? Je pense que les étudier me permettra d'en apprendre plus que sur leur origine. Plus sur leur... Hein? Oui, d'accord. Et je peux y aller directement. Capitaine Krenator, savez-vous comment optimiser l'utilisation de vos artilleurs au combat? Lorsque vous cherchez à infliger des dommages à plusieurs ennemis à la fois, ils constituent la pièce maîtresse de vos troupes. Les artilleurs demandent un positionnement adéquat pour un usage optimal. Perchés sur les hauteurs, ils ne feront qu'une bouchée des troupes ennemies. Mais pourquoi ne pas le constater par vous-même? Tu veux que je fasse l'entraînement? Ok, bon, on va faire ça. Il y a un truc que je comprends pas sur le jeu, s'il y a des joueurs sur le chat. Il y a des unités qui sont clairement plus intéressantes, justement, quand elles sont posées quelque part. Mais... Le jeu, comment il est fait, t'avances d'un endroit à un endroit, il y a des unités, tu veux qu'elles te suivent.
mais du coup t'appuies sur C. Le problème de C, c'est que ça fait que toutes tes unités te suivent. Comment tu fais pour que... T'es obligé de redonner l'ordre de se positionner à chaque fois si t'appuies sur C. Il faut vite que tu sélectionnes l'autre unité pour pas qu'elle bouge. Il y a juste ça, j'ai pas trop compris. Hop. Donc alors attends, ça c'était bon. On avait eu des cadeaux. Non, on n'a rien eu de cadeau pour le moment. Et donc là, ça va être que des instants. Si c'est le cas, c'est bien. All's well. Good luck. Allez, c'est un entraînement. On va voir. Vous voulez en savoir plus sur les puissants artilleurs cette fois ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Attaquez la tour de guet là-bas. Ok. Éliminer tous les ennemis, ok. Attends, il y a des trucs là. Triple tir de canon. Mêle de feu. Voilà. Ah, c'était un truc à activer. Ok. Ils ont l'air de faire bobo, eux. Okay. Non, il n'y a pas du friendly fire, sinon ce serait injouable. Ce serait complètement injouable. À toutes les unités, chargez! Artillerymen! Artillerymen! Get a move on! Non, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous attaquer ça. Merci. Artillerymen! Artillery men. Qu'est-ce que ça fait, ça? Artillery men. Ah, tu veux que je bouge là-bas? Attends. Go. Tout le monde ou juste celle-là? Artillery men. Artillery men. Vous savez bien commander les servants, j'étais un bon professeur. Pas bien. Oula, il y a des gens qui m'ont chargé. Ouais, ils sont en train de se battre du coup. Artillery men, get a move on. Artillery men, go. Hop. On finit les fuyards. Mince, j'ai perdu. J'arrive pas à croire que vous commandiez aussi bien les servants mortiers. Eh oui, le talent. Le talent. Salut Magnétique Panda. Ok. On va peut-être voir un S parce que ça fait longtemps. On n'a pas une mission de tuto. Voilà, un petit S. Je pense que c'est 200 000 le S. Ça fait plaisir. Même si on peut pas avoir pire que S. Et 200 d'XP de garnison. On prend. Ça, c'est fait. Mais on a toujours que deux unités
de comment ça s'appelle ? Bah, deux unités avec nous. Il faudra encore... Je crois que c'est 21, hein. Je suis level 16. Hein. Il faut 5 levels, quoi. Yes, Captain. Et très beau travail. Gardez bien l'esprit que les artilleurs ne peuvent pas attaquer les ennemis proches. Glory to Persia. Du coup, tu me files des artilleurs, c'est ça ? Ouais, servant mortier. On a de magnifiques artilleurs. Mais tant qu'on a que deux unités, hein, je me vois pas utiliser autre chose. Ils sont trop pétés. Ils sont trop pétés. Donc ok, ça c'est fait. Du coup, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il nous reste... Terminé niveau 15, forêt des trackers. Je veux bien, mais c'est où ? Ah, c'est là-bas. Ah non, mais je suis là. Oh, mais il reste tout ça encore à faire après. Ok. Ça, pareil. Et ça, pareil. Donc, tout nous emmène ici. Donc, c'est nickel. Hop. Non, attends, je veux y aller en dada. Laisse-moi tranquille. Tu sais si t'as des bonus en prenant les ennemis arvers ? Je sais pas du tout. Je ne sais quoi. Démarrons. Difficile. Engager le combat. Oh ! Arme cette fois-ci. Alors ce que ça va donner. Même si l'autre est améliorée, cette arme-là, elle est bien mieux. Ok. Je pensais que c'était peut-être comme ça que tu prenais par les boucliers dans la tronche. Je sais pas trop, ouais. C'est possible. Le repère de la confrérie des griffes se trouve dans cette forêt. Le soleil noir doit certainement se trouver aussi. L'immondez-les une bonne fois pour toutes. Okay. Allez, viens aller avec moi. Quand les haches, elles partent. Les ennemis, là. Je me souviens plus, il y a un bouton pour voir des petits points rouges au-dessus des ennemis, mais je sais plus ce que c'est. Quelqu'un s'en souvient sur le chat ? Follow me ! Alors, le chemin c'est par ici, dépêchons-nous et trouvons le bon embranchement. Des intrus ! D'autres items de quête. On va y voir par là, on verra bien. Nous attaquer ici, donc peut-être par là. Ah non, petit sac. Allez par là. C'est beau cet effet. D'autres ennemis arrivent. Il nous faudrait des elfes noirs pour les armes d'elfes noirs. Classe tout en finesse, oui. Par contre, j'aimerais bien retrouver le bouton en question. Celui-là, peut-être ? Non. Reviens. T. Ah, je sais plus ce que c'est. C'était quand même pratique. Ah,
Oula, tout sous les boîtes là. Non, les lanceurs de hache ils sont bien. Ça au moins c'est réglé. Et là c'est un kit stack. C'est que des cul-de-sac de partout là non? On passe pas. Là aussi, donc faut passer par là. Et par là. Il y en a encore derrière nous. Comment ça? Non, devant. Derrière, partout. Je pourrais débrouiller. Les combos sont super bien enchaînés. Ça va derrière. Toutes les haches qui vont voler sur un pauvre Billy tout seul. Oh, oula. Où il y a du bombardier. Faire cela. C'est mes lanceurs de hache qui sont allés là-bas. C'est bon ? C'est bon. C'est pas du tout par là. Mais alors, pas du tout. J'essaie d'appuyer sur un petit peu tous les boutons. J'essaie de retrouver le bouton en question. Aïe! Je sais plus ce que c'est. Celui qui met les points verts et les points rouges au-dessus des noms. Allez, se faire eux. Ah voilà, c'est bon, j'ai les points rouges. Mais là, je les ai plus. Ah, oui, il y a toujours un gars qui fait IA après chaque bataille, il est très motivé. Il encourage les troupes, c'est bien.
Ok, ça va être l'heure de rencontrer Klaus. Non, ça c'est Brooks. Vous êtes fait comme des rats. Je me charge du front, éliminer les artilleurs et les elfes noirs sur la colline. Ok. Ok, on va se faire les elfes noirs. Sur un pauvre Billy. Et maintenant on peut aller sur Brook. Non, il y a d'autres distances. D'autres artilleurs. Ouais, j'ai les points rouges activés, donc c'est bon. Ça, en fait, c'est surtout quand il y en a que deux ou trois qui sont encore en vie de savoir qui frapper, c'est important, quoi. Juste un loup de verre. Ça va, vous en sortez? Il est où le nommé? Oh, vous l'avez tué sans moi? Il aurait fait trop de vie. Ok. Par là? Tu veux aller où? Non, reste un truc en haut. Qu'est-ce qu'il reste en haut? Oh là là! Oh là là, il a essayé tout seul. C'est bon. On l'avait oublié. Support strategy. Alors, c'est Klaus, capitaine d'attaque Illumina. Je vais vous fournir des hommes, préparez-vous. Bien, madame, nous agirons dès que le seigneur Klaus aura dit quelque chose. C'est quoi tout ce bruit dehors? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Sale monstre de la confrérie des griffes! Vous êtes de mèche avec le soleil noir! Ces maudits mercenaires nous ont suivis jusqu'ici. Débarrassez-vous d'eux. On va vite s'occuper des artilleurs. Oula, 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 c'est calme. Et des elfes. Ça va, mes unités vont bien, je vais bien. Me tire dessus. Il y a d'autres trucs que j'ai là-bas. Oh les petits. Oh je les voyais pas.
ce bloc. Ça a l'air bien là. Ça a l'air bien. On peut l'utiliser enfin. Ouais. Too slow. Non, reviens. Ils sont quand même plus tanky que nous, level 4, je suis jaloux, hein. Oh mais vas-y, j'ai bloqué. Oh, il y a Klaus là-bas. J'avais pas vu. Ah mais ils sont en train de prendre cher, mais j'avais pas vu, mais... Encore des distances derrière. Ah, attends. F1. Tac. 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 Sinon, on devait pas lui parler à Klaus. On arrive et l'enfer. Ah mais encore. Il cogne le Billy, hein. Pourquoi les lanceurs de haches, ils lancent pas des haches là? Lancez des haches sur le Billy. Vous voulez plus? Mais je bloquais. Et B. J'aime le temps que selon Crane, on revient enfin à la définition originelle. C'est ça. Oh, ça sent le petit D. Dumpy. Des gants. C'est bien ça, des gants. Passe en mode attaque quand t'es en combat et soutien en mouvement, ouais. Bah normalement soutien c'est qu'ils m'assistent tous. Donc là j'ai essayé les deux pour voir ce qui faisait que... ce qui faisait qui faisait le plus de... Oui c'est bon, on a tout validé. Hein. Ce qui avait l'air de les rendre le plus agressifs. Après c'est logique qu'ils envoient pas un million de haches quand il n'y a plus qu'un ennemi, mais bon. T'aurais été plus vite. C'est quand même plus sympa qu'hier. Hein. Hop, on a de magnifiques alertes. Mais j'ai pas de points. Ah oui, j'avais eu un nouveau titre. Ok. Ah non, c'est pas là. Par contre, vu comment... Enfin, je galère. Vous avez l'impression que je galère pas, mais... le problème du tanking, c'est que ça marche bien jusqu'à temps que ça marche plus, ou là, ça marche plus du tout. J'ai peur. Ah non, mais je voulais pas faire ça. Les prochaines climax tout seul, je suis pas convaincu. Hein. Brian m'a demandé de brûler le corps de Klaus et les autres pour qu'il ne soit pas dévoré par les animaux sauvages. Le pauvre m'est en plein chagrin. Laissons-le faire son deuil. Il m'a dit qu'il ne vous reprochait rien. Tenez à être clair. Merci de m'avoir apporté le pendentif, je lui donnerai.
Let's move on to our next mission. Alors, c'est l'arme de notre ennemi, voyons voir. Oui, c'est bien ce que je pensais. Time to move. Drink, fight. J'ai pas le courage de vous voir en personne, pardonnez-moi. Goodbye. J'enverrai le message au village Clément. Vous pouvez retourner à vos affaires, j'ai personnellement annoncé à Brian ce qui est arrivé à Klaus. Des gantelets. We'll move after one more drink. Ok, donc là on a tout fait. Et donc on a plein de choses. Oh non, j'avais cru que j'avais looté une arme. Oh non, Et donc on a des gants et des gants. Et ça, ça va avec cette tenue, c'est bien ça. Non, ça c'est une tenue que j'ai déjà. Ça, c'est bien la tenue du porte-drapeau. Garde du corps équilibré, soldat de corps, soldat de corps. Et tout ça aux F, ça, ça a utilisé. Ça veut dire... Ça c'est ce que j'ai d'équipé, hein, oui. Ok. 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 Et on est go. Alors, tu m'emmènes où maintenant dans la ville qui est là? Hein? Faut que j'aille à Accolade? Et il faudra que j'atteigne le niveau 16. Ça va, je suis 16, tout va bien. Oui, mais... Et comme d'habitude, je peux pas me TP. Parce que le TP, ça coûte plusieurs milliers de gold. Eh ben, on va y aller à pied. Hein. C'est pas très loin, de toute façon. C'est la grande ville qui est juste devant. Ça marche bien jusqu'à ce que ça marche plus. Mais oui. Oui, sur le tanking, c'est simple. C'est pas une question de DPS où tu vas... tuer de moins en moins vite. Le problème du tanking, c'est que tant que tu tankes, ça va. Et à un moment, tu tankes plus, et là, ça va plus du tout. C'est pas crescendo. C'est pas pareil. Oui, moi, j'aime bien me balader comme ça. En solo, le DPS, c'est mieux en général, oui. Alors... On est déjà presque arrivé. Ça va, c'est les petites maps. Lag bled, on est au bled. Uzu. Alors si tu veux faire une petite pause, parce qu'en plus j'ai l'impression que c'est 18-19. Donc il est possible qu'avec un peu de chance, on n'ait pas enchaîné sur une zone ouverte tout de suite et qu'on doive faire des petites missions sur la carte du monde. Ce serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a plein de quêtes! Alors, j'espère que c'est pour des missions. Hein. Dehors. Enfin, RTS. Like. Oh, pareil, j'aurais pu rester en dada. Ça fait du bien, ce décor, un peu, là. Do you have business with me? Belle journée, pas vrai, capitaine? Vous avez pas l'air dans votre assiette, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qui vous embête? Dites-moi tout. Oh, vous avez trop de choses à faire et savez pas par quoi commencer? Dans ce cas, pourquoi pas commencer par les quêtes journalières? Le juste, sur la place, distribue ses quêtes. Parlez-lui, et si cela vous intéresse. Always watch your back. Il est où, le juste? C'est lui, le juste? Non, ça, c'est Hans. Welcome. Les orques qui vivent à la frontière reste de la colonie orientale se préparent à l'attaque. Ils érigent des tours de siège et se rapprochent de la frontière. Nous les laissons faire, ils pourraient bien submerger le front est. J'aimerais que vous vous rendiez sur place et que vous détruisiez leur tour de siège, Krenator. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien! Hop. Hello. Plus forts seront vos bataillons, plus vous gagnerez en puissance. Savez-vous comment améliorer vos bataillons facilement? Il existe plusieurs méthodes, et utiliser les pièces de bataillon est l'une d'entre elles. Pourquoi pas demander plus d'informations à Amelia? Elle connaît les pièces de bataillon mieux que quiconque. Goodbye. Hello. Ah, vous voilà. Comment les choses se sont passées au lac Bled? Yola m'a rendu visite quelques fois pour me demander les informations. Je me demandais s'il s'était passé quelque chose. Alors comme ça, le soleil noir est également là-bas? Je comprends pas comment ils peuvent être partout à la fois. Take care. La forêt des sexes.
au sud-est du lac Bled, c'est là que les mercenaires de la crinière rouge sont allés. Si les choses se corsent là-bas, j'ai bien peur que la forêt ne soit plus sûre. Keep up the good work. Hello there. Épisode terminé. Bon, Seigneur a besoin de savoir ce qui se passe au lac Bled. Ça vous embête pas? Allez au manoir et prévenez Dame Sylvia de la situation. Ce serait mieux d'y aller en personne. Godspeed. Ok, du coup, il y a plein de trucs là-bas. Il y a plein de choses. My mercenary group. Plein de choses. Level 17, tu débloques les 4 journaux. Ah, je suis pas loin. Je suis pas loin. Amelia. Got items to exchange for supplies. Comment puis-je vous aider? Vous voulez en savoir plus sur les pièces des bataillons? Aucun problème. Il s'agit d'une monnaie spéciale que l'on trouve dans diverses missions. Elles sont nécessaires pour améliorer vos bataillons, et vous pouvez vous en servir dans le centre d'échange de pièces de bataillon. I hope you'll find what you want. Vous avez rapporté des pièces de bataillon? Laissez-moi vous donner une récompense. May victory be yours. Ok. Ça, c'est notre troisième pièce. On va probablement pas tarder. On a déjà un ensemble 3, donc je pense qu'on va switch. Your enemies will kneel before you. Donc on peut même switch ces deux-là. Et je pense qu'on peut virer tout ça. Donc là, on est d'accord, on a porte-drapeau. On a malheureusement que deux pièces d'équilibré, ça aurait été bien d'en avoir plus. Ok. Et il y a Thompson. This way. Captain Krenator, vous n'avez pas manqué d'occupation à ce qui paraît. Grâce à vous, le général Glenn a pu prendre l'avantage sur les nobles. Ah. Au fait, vous avez vu Sarah? Elle est en ville. Et puis, je voulais aussi vous dire, vous êtes vraiment superbe. Enfin, non, mes excuses, j'aurais pas dû dire ça. Bref, si vous voulez dire bonjour à Sarah, vous la trouverez dans les bas-quartiers. À son retour, elle est directement retournée aider les pauvres. Bah, c'est gentil, hein. J'aime bien quand on me dise que je suis superbe. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Oui, Joe 2014. Il y a un moment où on va avoir beaucoup d'unités à gérer aussi. Are you feeling better now? Vous êtes le capitaine Krenator? Qu'est-ce qui vous amène par ici? Goodbye. Je voulais offrir à ces gens un meilleur endroit où vivre, mais pour l'instant, il va falloir faire des compromis. Be well. Tous les réfugiés qui sont venus avec nous n'ont pas pu entrer dans Accolade, mais la plupart ont quand même été autorisés à venir s'installer ici. Et ceux laissés à New Hampton sont de bonnes mains. Ils nous sont reconnaissants de leur avoir offert un toit, mais ils préféraient évidemment être chez eux. Pourquoi ne pas aller leur parler, Captain Krenator? Un petit discours de votre part pourrait leur faire beaucoup de bien. Try not to get hurt. On va faire ça. What a wonderful day today. Tiens, ne serait-ce pas le capitaine Krenator? J'ai pu arriver ici en un seul morceau grâce à vous. Vous avez toute ma gratitude. Get rich. Et ben. Suina. Have a wonderful day today. Regardez qui voilà! Inspecteur Gadget, le capitaine Chevalier Krenator. C'est grâce à vous et Sarah que j'ai pu arriver sans encombre. Sarah a dû affronter beaucoup d'épreuves pour nous mener jusqu'ici. Je vous dois beaucoup, Krenator, et aussi au général Glenn. Will I even be able to marry? What with this war and all? Hi. Bonjour. Ce château est gigantesque. Et dire que je trouvais le château de New Hampton immense. Try not to get hurt. C'est joli avec l'eau là. Enfin le petit passage sur le pont, tout ça. Are you hurt anywhere? Tout s'est passé à merveille d'ici au château de New Hampton. Les gens de la ferme de Mayfield nous ont accueillis à bras ouverts grâce à vous, à ce que vous avez fait, Krenator. Je vais rester ici un moment. Vous saurez où me trouver en cas de besoin. Have a good day. Ok. D'accord. Ça t'a marqué un peu une quête principale, mais j'imagine que c'est pour la suite. C'était pour finir l'histoire d'avant. Donc ça, c'est fait. On a les quêtes journalières là-bas.
Il est à la hauteur des précédents. J'ai pas joué au premier. J'en avais entendu beaucoup de bien. J'avais eu envie de le tester quand il avait été annoncé il y a 10 ans. Et puis, bon, pour l'instant, c'est cool. La partie MMO, je suis moins fan. Enfin, la partie MMO classique, leveling, je suis moins fan. Mais par contre, les batailles avec les unités, c'est là que le jeu prend tout son intérêt. Quoi. Allez, Ur. Où es-tu, le juste ? Tu es là. All's well. Bonjour, capitaine. Que puis-je faire pour vous ? Ah, les quêtes journalières. Comme leur nom l'indique, vous pouvez les accomplir une fois par jour. Au fur et à mesure de votre progression, elles gagneront en complexité. Toutes les accomplir chaque jour demande du temps. Certaines personnes les ignorent, mais si vous avez le temps, l'argent et les pierres de vision qu'elles octroient valent le coup. Good luck. Good day. Hop, si vous ne connaissez pas bien le principe des quêtes journalières, le meilleur moyen de le découvrir est d'en faire quelques-unes. Complissez-en une ou deux, ce sera bien mieux que d'écouter mes explications. Et donc c'est les quêtes vertes. On va regarder, hein. Enchanter les objets. Enchanter les objets, ça c'est facile. Fabriquer des objets. Entraîner des bataillons. My mercenary group never loses. Achever des missions de domination. J'en ai pas encore ça, des missions de domination. Mission de domination, ça doit être PVP, non? Donc on a dit enchanter un objet. Le gars pour enchanter, il est juste là. Captain, I admire you. Y a ça qu'on vient de choper. Vous ne pouvez pas enchanter cet objet. Alors attends, où est-ce que je vois si ça peut être enchanté ou pas? Ça je peux, mais je vais la changer à un moment. Ça je peux. Ça c'est nouveau, hein. Ouais, c'est le porte machin chose. Ça coûte 32, ça prend 3 pierres, j'irai faire ça. Et du coup, ça me fait faire la quête. Ok. For glory. Donc on est d'accord que ça s'est bien mis sur mon stuff en plus 1, tout ça, tout ça. Donc déjà une quête de valider. My mercenary group never loses. Donc ça enfile pour le moment 30. J'ai perdu qu'une seule pierre finalement. Goodbye. Hop. Crafter un objet. Et entraîner des batailles. C'était là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut crafter ? Qu'est-ce qui est simple à crafter ? On veut pas... alors attends, comment ça marche ? Alchimiste, fabriquer. Une potion niveau 3. Il me faut deux eaux purifiées. Soit qui les vend les eaux purifiées, non ? Attends, qui les vend les eaux purifiées, toi ? Oh, ça coûte 160 ! Is your business here done? May your day be filled with good fortune. J'espère que ça marche pour la quête journalière. Oui, c'est bon. Have a safe trip. Donc on va aller entraîner une unité directement. Tu vas changer ton épée qui fait des mini nukes. Mais c'est l'épée qui fait ça. Attends. C'est pas l'épée, c'est un de mes skills. Je pense. Enfin, j'ai vu que c'était quand je faisais tomber des unités en face sur mon enchaînement que je faisais E, c'est là que je faisais un enchaînement pour faire le nuke, enfin le tourbillon. Donc entraîner une unité. Je vois pas trop la différence dans le feu de l'action. Je comprends. Toi, t'es qui déjà, toi ? I'm on duty. Ah oui, c'est le même que si quand j'utilise. Ça, c'est juste pour les utiliser. Entraîner le skill en question. Oui, c'est ça, c'est tout. I'll get right on it. Je suis remonté à combien en thunes ? J'ai pas fait gaffe. 21 000. Ah, oh, c'est bien, ça remonte. Oui, non, mais j'avais compris que c'était les skills. Hein. Je voulais juste voir si c'était exactement les mêmes. En fait, j'avais pas compris que les skills étaient. Était commun.
Donc c'est pas un skill que t'entraînes pour une unité. C'est un skill que t'entraînes et toutes les unités qui ont l'air d'avoir ce skill entraîner bataillon. Ça, ça prend 859 et 859. Bon, vas-y, on va entraîner les deux. Ok. Et reste la quête de domination. Ah, mais si, c'est une quête de domination que j'ai à côté. Terminer le terrain de... Bah, c'est nickel. On pourra faire toutes les quêtes journal. Hop. Bon, ça va, hein, elles sont... C'est pas des quêtes journalières reloues. Hein. J'imagine peut-être qu'après, il y en a des un peu plus reloues, mais là, c'est... c'est limite donné, quoi. I'll stay on duty. Et c'est pas plus mal pour des quêtes journalières. I'm on watch duty. I'll be counting on. Il faudrait que je les utilise. Ah, nouveau titre. Goodbye. Ok. Des cubiques. Je suis remonté au-dessus de 5000, c'est cool. Tout ça qu'on va... On peut les détruire maintenant. Voilà, c'est fait. Ça, il faut qu'on les vende. Là, il n'y a rien. Ça, il faudra qu'on voit aussi. Tout ça, c'était compris dans l'édition de collecteur. Donc ça c'est fait. Salut The Nux. Oui, il paraît qu'il y a des missions qui sont pas faciles du tout par la suite hein, sur le jeu. Nice to meet you. Non, le reproche qu'on peut lui faire c'est que ce soit trop long à atteindre ce type de mission. Mais après si vous êtes motivé pour monter c'est du leveling de MMO quoi. Une fois que c'est fait, si le contenu après est cool. Il se trouve que j'allais vous contacter. Le capitaine Vredon m'a dit que vous aviez réussi à calmer la situation au lac Bled. Cependant, nous avons un autre problème. Nous avons perdu le contact avec Kreia et les mercenaires de la crinière rouge, alors qu'ils se dirigeaient vers la forêt des sexes. Il semblerait que les forces à l'œuvre dans la forêt des sexes soient plus puissantes que ce que nous pensions. Good luck. I've been waiting for you. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je voudrais que vous vous rendiez dans cette forêt pour leur venir en aide. Je viens tout juste d'envoyer une lettre au capitaine Vredon. Rejoignez-le pour puis diriger les opérations. Ne perdez pas de temps, c'est une requête urgente. Ça va me filer... Veilleur, une étoile. See you again. Ok, donc là... On a... Si, il y a d'autres quêtes à aller prendre là-bas. Alors ce jeu, bah pour l'instant, c'est plutôt cool. Il y a des passages très très cool, des passages un peu plus relous. Hier, c'était une session relou, avant-hier, c'était une session géniale. Et aujourd'hui, c'est une bonne session. Venez, j'ai reçu une lettre de Dame Sylvia pendant que vous vous entreteniez avec elle. Il semblerait que le contact avec les mercenaires de la crinière rouge a été perdu au bord de la forêt des sexes. Cette dernière entoure le temple des elfes et se trouve non loin d'Accolade. Si les ennemis s'en emparent, ils pourront ensuite marcher sur Accolade sans être inquiétés. Take care. Welcome. Hop. Tout comme Dame Sylvia l'a dit, vous devez vous regrouper vos hommes et vous rendre là-bas le plus vite possible. Keep up the good work. Ok. If it isn't yourself. Sauver la forêt. Blablabla. Ouais, care. Yes, c'est des missions. Hein. Nice. Est-ce que c'est pareil ça? Oui. Cool. Là, on est sur une chouette session. Avez-vous entendu parler des sorciers orques? Ils maudissent leurs ennemis et peuvent infliger des inconforts mineurs comme des maladies mortelles. Une fois la malédiction lancée, cela prend trop de temps de le briser. Il faudrait trouver un moyen de s'en débarrasser. Pour cela, je dois étudier leur bâton. Il s'avère que certains d'entre eux ont pris le contrôle au cœur de la forêt des sexes, pouvez-vous m'apporter quelques bâtons? Oui. Bye. Donc j'imagine que ça, ce sera dans l'une des missions qu'on va faire. Ok, donc il y a encore d'autres quêtes là. Need my help? Hop, tu veux quoi? Tue des unités, ça peut le faire. Il y en a encore en bas. Les prochaines missions climax sont impossibles tout seul. Ah. Et bah, je fais A, mais limite tant mieux parce qu'on pourra, tester de jouer avec des gens. What is it? Alors, tu veux quoi? Take care. Talisman. Donc, j'imagine que tout ça, on va les trouver dans les missions. Et alors, j'aurais aimé quelque chose. Qu'est-ce que je voulais voir? Centre d'échange de pièces de bataille. Je vais voir ça. Pépépé.
Qu'est-ce que tu vends exactement? For the Persia mercenaries. Est-ce que tu vends les skills? Ça, c'est les unités. Ça, c'est les pierres de vision. Logistics are military. Ça, il en faut 60. Et ça, il en faut 90. J'imagine que je peux les avoir facilement. Ça, par contre, c'est autre chose. Et combien ça coûte de les promouvoir? Je piche pas comment tu chopes les skills. Par exemple, je ne piche pas comment tu chopes... Attends, j'ai eu un nouveau titre. Ah! Aventurier, récupération de PV plus 5. Donc ça, c'est un autre qui donne du bonus. All's well with our supply chain. Soldiers are waiting. 264 000. De toute façon, c'est imprenable pour moi pour le moment. Donc ce sera pour dans plus longtemps. Donc le truc que je piche pas, c'est... Comment je chope ça, par exemple? C'est marqué dans la boutique à cubique, mais ça y est pas. Alors moi, j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. Ah, il y a un PNJ plus à gauche qui donne les capacités des unités. Plus à gauche. Instructeur de capacité de bataillon. Oui, c'est lui. Parce que la dernière fois, j'ai dépensé des cubiques, mais je pense que j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, quand on découvre, on fait toujours des erreurs nulles. Hey. Ah bah non, c'est pas lui. Mais non, lui c'est la même fenêtre. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. C'est qui? Dis-moi. Lui, j'en venais il y a 2 secondes. Marchand de consommables. Tu m'as dit plus à gauche. Il n'y a pas trop. Si tu lui dis, te permet d'apprendre... Si, lui te permet d'apprendre les capacités des unités. Ah. Yes, Captain. Bah non, une capacité exceptionnelle, vous pouvez l'invoquer dans la boutique de Cubic. Ouf. Je peux les entraîner, mais je peux les entraîner tout pareil. Ça, c'est exactement la même boutique. Moi, ce que je veux, c'est Korn Saiyan, spécialiste de la nature. Allez, où? Non, ouais, non, je sais pas. Je vois pas comment je peux la prendre. Ça dit boutique à cubique, mais elle y est pas dans la boutique. Elle y est pas. Eh ben, je ne sais point. Donc, du coup, Diablotti, tu as une nouvelle information par rapport à ça? Ou tu m'as juste fait une fausse joie? Je vote pour la fausse joie. Ok, on a tout fait. Je crois qu'on a tout fait. Donc on peut aller là-bas et faire les quêtes. On fait les petits sons. Pouf. Pouf. On va essayer de faire au moins la mission de domination en prio, je pense. Le terrain de surveillance. Comme ça, on aura validé la 4 journées. Et on est bon. C'est rang 3 pour cette capacité? Non. Appuie sur B. Non, c'est rang 1. Enfin, rang 2, pardon. C'est rang 2. Et puis...
Je peux appuyer pour te montrer si tu veux. Comment tu vois? Ah, en train d'attaquer, je peux pas. Non, c'est U, pardon. Elle est là. Elle est Romain. Tu la vois? Celle-là, je l'ai apprise en achetant au machin. Pareil, ça, j'ai appris... Oh, comment ça s'appelle? En payant 750 cubiques. Stats détail sur l'unité. Qu'est-ce que tu veux voir avec stats détail? Qu'est-ce que tu veux voir? Ah, ça, tu veux dire? Hop. Il vous faut une étoile ou plus pour l'obtenir. C'est ça que tu voulais voir? Donc une étoile ou plus, on est deux étoiles. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon. Alors nous, ce qu'on veut faire en priorité, c'est ça. Où est-ce que tu nous emmènes? J'essaye de voir par rapport à la flèche. Elle est où la flèche? Il dit qu'il ne comprend pas. C'est par là? Ah, ça c'est le bas. Waouh. Ok, d'accord. Mon cerveau, il n'arrivait pas à se dire qu'il fallait que j'appuie sur la flèche du bas pour aller à droite sur la map. C'est mon cerveau, il buguait. Ok. Allons-y. Donc on va faire ça. J'ai rien d'autre à faire, hein, j'ai tout fait. Il y a ça que je pouvais apprendre. On a bien nos unités. Hop. Donc je suis au-dessus et je peux démarrer la mission. Ok. Alors je suis obligé de la faire au niveau 16. Donc il n'y a pas de difficulté autre. Nombre d'entrées par jour 0 sur 3. Accepter, achever la quête. Est-ce qu'il y a des choses spéciales à savoir? Bon, on verra, on va voir. Détruisez les tours ennemies et chassez-les. Ok. Ok. On verra. Oh! Oh! Les héros ne peuvent pas être contrôlés. Oh! Eh ben, let's go, hein. Non, c'est pas du tout par là. C'est par où tu veux que j'aille? Oui, par là. Ok, ça c'est sympa, ça c'est notre première mission comme ça. Alors, lanceur de hache, vous avez pas pu. Non, c'était pas prévu que vous alliez au corps à corps les lanceurs de hache. Mais c'est pas grave, logiquement, vous tankiez, ça devrait le faire. Tout se passe bien. Ah, c'est notre première bataille comme ça. On ramasse. Ok, où est la suite? Par là. Too slow. Ok, ça fait bobo. On va les aider. Hop. Hop. Good job.
ça c'est sympa. Pour l'instant, on a que deux unités, donc ça reste un peu basique, mais c'est vraiment cool. Vraiment très très cool. Ça laisse apercevoir des trucs cool. Faut que je fasse F1, F2, faut que j'arrête de faire ça. Arrière, faire reculer un peu, voilà, comme ça. Avec eux, on peut attaquer ici à distance. Eux, ils continuent le corps à corps. Nickel, nickel, nickel. On peut même se faire un petit heal sur nous si on veut. Voilà, c'est le heal ou c'est le... Non, ça augmente le... Non, ça c'est le... Okay. Vas-y, on va les détruire eux et ensuite on va faire les tours. Oh mince, il y avait un timer, j'avais pas vu. Les forces ennemies prennent la fuite. Mais on a gagné. N'arrivera pas à les battre, fuyez. Tour détruite 5 sur 6. Oh non, j'en ai loupé. Oh, j'avais pas vu le timer. Ah, j'avais pas vu le timer. J'avais quasiment détruit la tour, j'aurais pu la détruire. J'aurais pu aller un tout petit peu plus vite. Ah, oh, je suis dégoûté. C'est pas grave. Bon, c'était vraiment sympa. Voir les coffres non obtenus. Ok, 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 ok. Ça en fait masse. Et putain. Capacité légendaire, ce sera boutique cubique, comme les capacités chasseurs, mais c'est pas encore dispo, j'ai l'impression. D'accord. D'accord, d'accord. Et bah, c'était vraiment cool. C'était très très bien. Du coup, attends, on va revenir. On va revenir là. Donc là, il me reste les missions d'histoire. Encore une fois, c'était que deux unités, donc là, c'était assez basique. Mais du coup, vu qu'après tu vas avoir combien? Tu vas avoir 8 unités, ça va plus du tout être la même, quoi. C'est où? C'est là. Allons-y. Démarrons la mission. Attends, t'es en difficile. Hein. Ah, porte-drapeau, tiens, c'est le même, même set que... D'accord. Et bah, on va voir. Non, pardon, engager le combat. Ils peuvent pas nous faire la même chose dans l'univers de Warhammer, ce serait bien. Hein. Je ressens une énergie étrange émanée de la forêt des sexes. C'est très bizarre. Allons voir ça de plus près. Guard me! Et putain. Si tout va bien. Un gnoll. Allons-y.
avait bien mangé le fantasme, c'était bien. Ah oui, d'accord. C'est lanceur de hache. C'est lanceur de hache. Il n'y a personne. Yeah. Allez. Oh, il est tellement bien placé là en plus. Ça, ils seront un peu plus tranquilles. Hop. Ah, cool. Par contre... Ah oui, c'est bon. Parce que les autres, ils étaient un peu à la traîne, mais ils reviennent. Ce qui est bien avec les lanceurs de hache, c'est que je pense pas que ce soit une unité spécialement optique, mais au début t'as que deux unités. Et du coup le lanceur de hache il est à la fois distance mais il peut aussi s'en sortir en corps à corps. Et ça je trouve ça cool. Ah non, je voulais pas faire ça. Ça, on peut y aller, enfin, il manque des tours. Ah, reviens. On est d'accord, on peut pas l'attaquer hein, tant qu'on n'a pas détruit toutes les tours. Et il reste... Ah, peut-être que le timer augmente à chaque fois. Ouais. Ah,
Ah! C'est bon, on va pouvoir frapper en face. Il y a 4 nommés quoi. Deux minutes treize, ça va être chaud. Ça va être chaud cacao. Voir si je peux pas un peu accélérer le feu. Directement aller là-bas. On les combattra tous là-dessus. Ils ont les totems en priorité, mais ils sont détruits les totems. Et 40 secondes, ça va être compliqué. Hein. Oh, il y a des nouveaux trucs derrière. C'est chaud quand même, hein. C'était un peu chaud cacao quand même, hein.
C'était un petit peu... Et du coup, j'ai des loot ou pas? Ouais, j'ai quand même mis des loot, mais que ceux que j'ai ramassés. Donc là, par contre, quand t'es pas sûr de gagner, ramasser, c'est important. Et j'ai eu les bottes que j'avais pas encore, tiens. Ah non, c'est encore un autre set. Oh, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Hop. Ah, et puis j'ai des grosses unités en plus, hein. Et j'ai un perso, logiquement, qui DPS quand même un peu en AE, hein. C'est quoi? Ah oui, c'est pour la quête. Et du coup, j'ai bâton contaminé de sorcière qu'il aurait fallu que je le batte. Donc ça aurait été à la fin, je pense. Ça se trouve, je crois qu'on l'a battu en plus. Ça se trouve, j'aurais pu le ramasser celui-là. Mais de toute façon, on la fera. Ah bah au moins, ça met de la difficulté, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais j'ai quand même eu l'impression d'aller assez vite. J'aurais dû faire... Après, ouais, le problème, j'aurais dû plus utiliser ma compétence de lancer de mes orques. Mes autres capacités sont toutes défensives, donc ça aurait pas changé grand-chose. Mais si au moins plus utiliser la compétence de dégâts de mes lanceurs de hache orques. Surtout qu'il manquait pas grand-chose. Hein. C'est pas comme si ça passait pas du tout. Mais c'est chaud cacao, hein. Hop. À qui tu parles, King of Goose? Touk, on a validé. Hop, quelques quêtes. Good day. Have a good day. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ça. Ça va faire un peu d'XP. Peut-être si on est level 17, ça passera. Need advice? Watch out for random arrows, especially at knee height. Reste deux quêtes. Ants. Et donates. Donuts. Good to see you. We'll meet again soon. Hop. Franchement, j'étais pas loin, ouais. J'étais pas loin du tout. Donc ça, on a dit c'était moins bien. Et ça, c'est pas pour ma classe. Ok. Ah bah, mais je suis content quand même, parce que c'est sympa justement de voir un truc qui est un peu plus tendu. Izu. Victory to accolade. Victory to accolade. On n'aura pas le level 17. En normal, ce serait passé sans souci. Hein. Poum. Donc ça, on a dit que ça servait à quoi? Attends. Objet à obtenir. Modificateur d'apparence. Ah non, mais il y a des... Mais j'avais pas vu qu'il y avait des unités violettes aussi là-dedans. Feu d'artifice pollen. Aléatoire manel de capacité de type batté. Ion 2. Ah oui, c'est aléatoire, donc je peux complètement le faire. Ok. Oh, c'est cool, ça. Des feux d'artifice. Ça, c'est moins cool. Réparation complète. Ça, c'est moins cool. Coffre de consommables. Gachapon. Cet inclusoire peut utiliser de tenir 10 potions d'attaque de bataillon. Ça. Ah mais niveau 3, ça c'est niveau 1. Donc tu m'embêtes avec des nouveaux types de potions, en effet. On va mettre là.
Mais non, c'est pas bien ça. Encore de nouvelles potions. Ah, ça c'est bien ça. Et on a débloqué... Attends, j'ai débloqué quoi là? Une nouvelle... Ok. Non, on veut pas ça. Ouais, c'est peut-être là-dedans qu'il y a les... Non, des feux d'artifice. Non, des feux d'artifice pollen, on n'en veut pas. Oh là là. Ça, ça fait quoi, ça? Restaure les PA. Un coupon pour ressusciter. Répare tous les objets. Ok. Ok. Attends. Et ça, c'est un truc genre tu peux acheter? Ça, c'est un peu gacha, ça, quand même. Hein. Non, je le vois pas, en tout cas. Non, j'en vois pas. Boutique diamant, il n'y a rien. Non, facturé diamant, tu vas m'ouvrir. Non ! Non ! Ça, c'est la boutique cosmétique. Ok. Donc ça, c'était un truc qui était juste dans l'édition collector, mais que tu peux pas avoir par aucun autre moyen. Ah, vas-y, j'aurais pu avoir des unités épiques et tout, quoi. Bon, j'ai eu deux compétences, ça, c'était pas mal. Tu vois comment tu peux avoir ça ? Nouveau look, changer d'apparence. Potion puissante et changer votre fou. Non, mais je sais pas comment tu chopes ça. C'est quand même masse XP, ça c'est 10 000. Elle reste au safe. Ok, bon après c'est pas plus mal hein, que ce soit pas disponible. Hein. Hop. Hop. Moi, j'ai eu que des feux d'artifice ou consommables. Oh, je suis désolé. Mais j'avoue, moi, j'aurais bien aimé avoir des unités violettes, là. Hein. J'aurais pas dit non. Tiens, ça, ça va là. Et puis ça, on va mettre ça là. S'en fout un petit peu des popos. On a 1645, là, ça monte, ça monte. Ça, c'est le jour où j'en aurais besoin, mais on va aux F, quoi. Et ça, pourquoi j'ai laissé ça là? J'en sais rien. Celles qui sont là? Non, j'en sais rien. Oui, c'est celle-là. Ça me fait deux types de popos différents. Ça manque d'épiques. Mais oui! Mais oui, il y avait des unités épiques et tout! Bon, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon, allez, on est à combien la VOD? Oh! Une 59,42. Si je vous dis au revoir dans les 15 secondes, la vidéo ne fera pas 2 heures. Voilà! Des bisous, les glous de YouTube. C'était sympa cette session. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.